je suis là, je suis un peu en prison parce que en hauteur, je ne sais pas quelle est la distance entre moi et la chute. J'espère que 1,5 mètre, merci déjà. Parce qu'en général, quand je monte sur un podium, c'est toujours la plupart du temps ce qui m'inquiète, parce qu'en général, Dieu merci, le public est assez, assez gentil avec moi. Avant de commencer, déjà je remercie et je rends hommage à l'association Mnemti pour cette action qui a loué. Et j'espère que l'année prochaine, il n'y aura pas que Mnemti et une ou deux associations, mais ce sera tout le peuple tunisien, parce que l'abolition de l'esclavage concerne l'histoire de la Tunisie. Et ça fait partie des acquis du peuple tunisien. Aussi, je voudrais aussi remercier mes frères et sœurs de l'AEJAC, l'association des étudiants stagiaires africains en Tunisie, qui m'ont toujours soutenu pour notre combat qui consiste à l'amélioration des conditions de vie des étudiants et stagiaires subsahariens en Tunisie. Surtout, j'aimerais faire un devoir de mémoire. Un devoir de mémoire, certes pour Mandela, mais surtout un devoir de mémoire pour tous les esclaves. Parce que pendant qu'on parle d'abolition de l'esclavage, on a tendance à se limiter au poids et aux griffes qu'une chaîne ou qu'un fouet fait sur le corps d'une victime. Mais on oublie qu'aujourd'hui, l'esclavage a pris une autre forme qui est encore plus vicieuse, qui est encore plus maligne et qui est encore plus dangereuse pour la société. C'est lorsqu'un être humain décide de faire de son prochain un domestique, de faire de son prochain un esclave sexuel, de faire de son prochain quelqu'un qui est utilisé pour mendier dans la rue et voilà. Vraiment aujourd'hui, j'aimerais que nous ayons une pensée pour tous les esclaves, ceux qui portent des chaînes et ceux qui portent pas et ceux qui ne peut-être portent pas de chaînes mais qui ne savent pas qu'au fait ils ont des chaînes autour du cou. Aujourd'hui, on nous a demandé de parler de Nelson Mandela, de rendre hommage à Nelson Mandela. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de l'Afrique du Sud. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de Nelson Mandela. Je préfère le dire tout de suite, parce que j'ai toujours été contre. Souvent, quand on voit les médias étrangers, quelqu'un qui se présente, il dit « Ouais, spécialiste de l'Afrique, mais spécialiste du Proche-Orient. » Et quand tu leur demandes « T'as séjourné combien de fois en Afrique ?» 2 semaines, 3 semaines. Oh. Ça suffit pour être spécialiste. Non, je ne suis pas spécialiste de quoi que ce soit. Même pas de ma propre vie. Je suis juste un jeune Africain comme vous. Juste un jeune Africain soucieux du devenir de ce continent. Et juste un jeune Africain qui est prêt, au prix de sa vie, à se battre et à sauvegarder le patrimoine historique de ce continent. L'histoire de l'Afrique du Sud n'a pas commencé avec Nelson Mandela. L'histoire de la lutte des Noirs en Afrique du Sud n'a pas commencé non plus avec Nelson Mandela. Aujourd'hui, à peine un mois, quelques semaines après son enterrement, la question fondamentale est de savoir qu'est-ce que nous retenons de l'histoire de ce grand homme. Ce grand homme comme Gandhi, comme Martin Luther King, ces grands hommes qui ont forcé la porte du Pantheon des illustres personnes de l'histoire. Ces grands hommes qui ont forcé l'admiration de leurs oppresseurs. Ces grands hommes qui se sont présentés comme exemple pour toute personne qui se sentait opprimée ou pour toute personne qui pensait que pour lui, tout rêve de liberté était désormais perdu. Pour parler de Mandela, je vais m'appuyer sur un certain nombre de faits, de dates, ensuite de discours prononcés et ensuite de nuances sur la question de l'histoire de Mandela, parce que je pense que chacun d'entre nous a son Mandela à lui. Tout pourrait commencer sur une simple photo. Alors, quand on regarde une photo, vous qui voyez surtout, certains vont se limiter au sourire des armeurs, sourire désarmant de Nelson Mandela. Et certains vont voir plutôt le point levé d'un individu, d'un homme qui s'est levé un jour et qui a dit non, tout simplement. Nelson Mandela est né le 18 juillet 1918. En 1939, il rentre à
l'université. C'était une université spécialement faite pour Noirs. En 1942, il intègre l'ANC avec des individus, des personnes, des illustres personnages tels que Oliver Tambo, tels que Alfred Zuma et tels que Walter Sisulu. En 1944, il se marie. Il faudrait bien qu'on parle aussi de son mariage puisqu'il rencontre l'amour. Pour lui, l'amour était très important. Et pour nous tous d'ailleurs. Et il continue sa lutte. Et en 1952, il fonde avec Oliver Tambo la Ligue de la jeunesse de l'ANC. Et cette ligue prône une désobéissance civile vis-à-vis de l'oppresseur, vis-à-vis de ceux qui étaient là pour l'apartheid. Et surtout, décide de faire beaucoup de sabotage. En 57, il se fait arrêter pour la première fois pour haute trahison. Le procès a duré 3 ans, 3 ou 4 ans, en 61, il a été acquitté du procès. Et sachant que déjà en 1961, il est accusé d'avoir quitté le territoire sud-africain sans une autorisation. En parenthèse, c'est dans la même année, quand il est acquitté, que Mandela décide de fonder l'armée de l'ANC. L'armée de l'ANC qui, de 61 à 1963, a été à l'origine de 180 sabotages en Afrique du Sud. En 1964, ils sont tous interpellés, jugés et condamnés à perpétuité. Et c'est là, en 64, où Mandela, présentant sa propre défense, prononce l'un de ses plus beaux discours où il parlait de la démocratie. Pour lui, la démocratie était quelque chose pour laquelle il était prêt à mourir et que c'était peu donné. Tout à l'heure, nous reviendrons, si vous permettez, sur ce discours. Il reste en prison. En 85, il entame tous ceux des négociations avec le pouvoir blanc. Et on en reviendra tout à l'heure, parce qu'il en a parlé, il a dit pourquoi. En 90, 11 avril, il est libéré. Première visite, il va voir Mouammar Kadhafi. Certaines personnes ont critiqué cela, mais il appelait Mouammar Kadhafi un frère, un leader. En 91, il devient président de l'ANC, il entame les négociations. En 94, il devient le premier président noir de l'Afrique du Sud. Et c'est là où il prononce son discours de la nation arc-en-ciel. En 1997, il envoie un mot d'encouragement à Yasser Arafat, où il dit... Notre liberté à nous ne sera jamais complète tant que le peuple palestinien n'aura pas sa part de liberté. D'ailleurs, c'est pour cela que l'Israël n'était pas présent aux obsèques de Mandela. En 1999, il quitte la présidence de l'Afrique du Sud et il s'engage dans une autre forme de lutte, la lutte contre le sida. Nous le savons tous, jusqu'en 2009, il est hospitalisé. En 2010, il est hospitalisé pour la première fois pour des problèmes respiratoires. En 2012, il est réhospitalisé pour des douleurs abdominales. Et en 2013, il rend l'âme en décembre. Déjà, il faudrait dire qu'à partir du 8 septembre, presque tous les médias internationaux avaient déjà commencé à parler de la mort de Mandela. C'est là où je vais faire un petit arrêt. La première fois où personnellement j'ai entendu parler de Mandela, c'était un artiste ivoirien qui disait que Mandela, c'était un blanc qui luttait pour la cause des Noirs en Afrique du Sud. En fait, il aimait Mandela sans savoir qui c'était. Et la deuxième fois, pas où j'ai entendu parler de Mandela, mais la deuxième fois où quelque chose m'a touché concernant Nelson Mandela, c'est quand une fois la radio RFI m'a appelé pendant que j'étais ici en Tunisie et on m'a demandé si je voulais participer à l'appel sur l'actualité, qui est une émission de RFI animée par Juan Gomez, pour parler de Nelson Mandela. Alors je pose la question suivante, est-il mort? Et on me dit, bon, il n'est pas mort, mais bon, au fait, c'est presque ça. Et c'est là où le vieux leur a montré qu'il n'avait pas encore fini de lutter. Ça, c'était en août. Il est décédé en décembre. Jusqu'à la fin, il a été un combattant. Le problème, c'est que quand on va parler de Mandela, on va trouver deux personnages. On va trouver à la fois Martin Luther King, mais à la fois on va trouver Malcolm X. Martin Luther King, par rapport au fait que Mandela a été pacificateur, par rapport au fait que Mandela a tendu la main au pouvoir blanc, par rapport au fait que Mandela a prôné une nation arc-en-ciel. Mais aussi Mandela, semblable
identité de Malcolm X parce que Mandela a été commandant de l'armée de l'ANC. Donc il a lutté aussi. Il a été aussi le bras militaire de l'ANC. Mandela aimait lire des bibliographies telles que la bibliographie de Mao Zedong ou bien comme la bibliographie de Che Guevara. Et Mandela n'a pas hésité un seul instant à aller au chevet de la femme de Hendrik Verwoerd, qui était l'un des artisans de l'apartheid. D'où le principe de dire que chacun d'entre nous a son image de Mandela. Le pacificateur se retrouvera en lui. Celui qui est pour la lutte brutale se retrouve. Celui qui est pour la lutte armée se retrouvera aussi également en Nelson Mandela. Et pour nous, c'est ce qui fait, c'est cette nuance effectivement qui fait de ce monsieur un grand monsieur. Parce que n'oublions pas, en 1996, lorsque le pouvoir militaire a mis à mort Ken Saro-Wiwa au Nigeria, Nelson Mandela a été l'un des seuls chefs d'État africains à se lever et à critiquer cela. D'ailleurs, le Nigeria a refusé de participer à la CAN 1996. CAN 96 où la Tunisie a fini en finale face à l'Afrique du Sud. Et aussi, quand on parlera de Mandela, quand on va se référer des discours, pourquoi Mandela en 85 a décidé de négocier avec le pouvoir blanc? Parce que Mandela a compris que le développement de l'Afrique du Sud ne pouvait se faire sans les blancs, comme il ne pouvait se faire également sans les noirs. Alors, en 64, qu'est-ce qu'il a dit? En 64, il a dit, je lutte contre toute forme d'oppression, contre toute forme de domination, que ce soit la domination noire ou que ce soit la domination blanche. Je lutte pour la liberté de l'opprimé et également la liberté de l'oppresseur qui ne sait pas qu'il est aussi en prison. Et dans l'un de ses discours, il dit ceci, je ne suis pas né avec la fin de la liberté, car je suis né libre, libre dans tous les sens du terme, libre de courir dans le champ près de la hutte de ma mère, libre de nager dans le ruisseau clair qui traversait notre village, libre de monter sur le dos des gros bœufs que nous possédions. Jusqu'à ce qu'un jour je me rende compte que cette liberté qui je pensais m'appartenait depuis mon enfance n'était qu'une illusion. Alors j'ai eu faim. Projeté dans l'avenir. D'ailleurs, à l'époque, il y a eu beaucoup
était là. Et lui, il a continué. Il a continué. Et